Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler cash. Et on va parler comment? On va parler Cash Reader, une application que vous allez trouver donc sur votre iPhone sous iOS et sous votre iPad. Exactement, cette application va gérer tout l'argent que vous allez avoir dans les mains. Cash Reader, c'est une application payante. Attention, vous pourrez l'avoir donc soit mensuellement, soit l'année, soit vie. On verra suivant les prix dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Et on part tout de suite dans le Cash Reader. C'est parti! Voilà, donc tout d'abord, vous allez avec votre iPhone lui demander de télécharger cette fameuse application. Alors comme d'habitude, soit vous le faites manuellement, soit vous êtes fainéant et vous le faites avec Siri. Télécharger Cash Reader. D'accord, je recherche Cash Reader dans l'App Store. Cash Reader, champ de recherche. Une fois Cash Reader trouvé, on va déjà écouter qu'est-ce que cette application et pour qui. Cash Reader pour les aveugles, lecteur d'argent accessible, 3 étoiles et 3 quarts, 8 notes. Voilà, donc Cash Reader pour les aveugles, donc c'est le titre de cette application, on rentre à l'intérieur. Cash Reader. Alors, nous ce qu'on va faire, on va de suite ouvrir l'application. Alors c'est un lecteur d'argent accessible sous iOS avec votre iPhone et votre iPad. Ouvrir, bouton. On va l'ouvrir. Bienvenue dans Cash Reader. Cash Reader identifie la dénomination pour le plus grand nombre de devises. Dirigez votre appareil photo vers le billet dans votre main et écoutez, voyez ou ressentez sa valeur. Pour commencer, donnez-nous s'il vous plaît accès à votre appareil photo. Oui, parce que donc avec Cash Reader, soit vous allez pouvoir l'entendre, mais si vous voulez être un peu discret, on pourra demander à ce que notre smartphone nous donne les billets en termes de tactile, en termes de petit tac, en termes de petit toc dans la main. Autorisez l'accès à la caméra. Bouton. Alors on va l'autoriser. Choisissez la devise. En tête. Choisissez maintenant la devise qui sera identifiée par Cash Reader. Si vous devez effectuer un tri entre différentes devises, vous pouvez toujours un mode dans lequel toutes les devises sont identifiées en même temps. Sélectionnez euro maintenant. Bouton. Version complète. En tête. On va sélectionner donc euro. La version gratuite identifie uniquement les deux premiers billets de chaque devise. Vous pouvez acheter la version complète pour déverrouiller tous les billets en choisissant une permis à vie. Avec votre soutien, nous allons continuer à améliorer l'application avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles devises. On vous remercie. Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Achetez la version complète. Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Bouton. Allez, on va commencer un petit essai de 14 Essayez jours. La version complète gratuite. Vous pouvez commencer votre essai de 14 jours maintenant. Cela permettra d'identifier tous les billets complètement gratuitement. Lorsque la période d'essai est terminée, le plan est automatiquement rétrogradé à la version gratuite et seuls les deux billets les plus bas sont à nouveau identifiés. Vous pouvez passer à la version complète à tout moment à partir de l'écran d'achat. Commencez l'essai de 14 jours maintenant. Bouton. S'il vous plaît, attendez. Avertissement. Appuyez deux fois pour obtenir. Avertissement. Réussite. Votre achat a bien été effectué. Ok, bouton, tout est prêt. Votre achat, Cash Reader. Réussite. En tête. Un essai gratuit de 14 jours a été activé. Vous ne serez pas chargé. À la fin de la période d'évaluation, le plan est automatiquement rétrogradé à la version gratuite. Continuez. Bouton. Conditions d'utilisation. En tête. Nous faisons de notre mieux pour identifier correctement tous les billets. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir des erreurs. En utilisant cette application, vous reconnaissez et acceptez que, pour tout dommage causé à vous ou à des tiers par une fausse déclaration d'un billet de banque, nous nous dégageons de toute responsabilité. Je suis d'accord et j'aimerais commencer. Identification 20. 20. On est prêt à détecter nos billets. Alors, soit vous avez la possibilité de détecter ça par des petits tocs dans la main, soit vous avez la possibilité qu'il vous lit directement. Alors ici, on va prendre un premier billet et c'est très efficace et très rapide. Ici, je vous le montre en gros sur votre écran. Et c'est bon. Ici, je vous le montre en gros sur votre écran. 10. 10. 10. En plus, pour les malvoyants, c'est écrit en très gros sur votre écran. 20. 20. Voilà, donc cette application peut être très intéressante pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyants, non-voyants, pour les personnes âgées qui ont beaucoup de mal à repérer leurs billets. Et pour d'autres handicaps qui ont du mal à repérer les billets de banque. C'est vraiment très sympathique comme application. 19,99€ à vie. Ou vous pouvez l'avoir, on va tout de suite. On va aller voir
dans les options. Tout en bas, vous avez le bouton Paramètres. 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 En tête. Choisir la devise. En tête. Choisissez la devise que l'application doit identifier. Identifiant actuellement euro. Sélectionnez la devise. Bouton. Mise à niveau vers la version complète. En tête. Vous utilisez la version d'évaluation de 14 jours et toutes les fonctionnalités de la version complète sont maintenant activées. La version d'évaluation complète expirera en 14 jours. Achetez la version complète. Bouton. Vibrez la valeur du billet. En tête. La série de vibrations représente la valeur du billet identifié. Accédez aux paramètres des vibrations pour apprendre à les utiliser et configurer leur comportement. Ouvrir les paramètres de vibration. Bouton. Changer les couleurs. En tête. Changer les couleurs. En tête. Cache Reader peut changer de couleur sur la palette de couleurs noir et blanc pour un meilleur contraste entre le texte et l'arrière-plan. Vous utilisez des couleurs par défaut. Passez aux couleurs noir et blanc. Lampe torche. En tête. Passez aux couleurs noires. Passez aux couleurs par défaut. Lampe torche. En tête. La lumière de la lampe de votre appareil améliore le taux d'identification dans le noir. Il s'éteindra automatiquement lorsque vous quitterez l'application. Actuellement configuré pour s'activer automatiquement dans l'obscurité. Configuré pour être toujours désactivé. Bouton. Bip lors de l'identification. En tête. Si vous ne savez pas si l'application est active ou non et vous identifiez actuellement les billets, activez simplement le bip sonore périodique. Le bip est maintenant activé. Désactivez le bip. Bouton. Passez entre les caméras arrière et avant. En tête. Choisir la caméra à utiliser pour l'identification des billets. Nous vous recommandons d'utiliser la caméra arrière car elle peut allumer la lampe de poche dans le noir. Évitez d'utiliser la caméra avant la nuit quand l'écran est éteint. Actuellement configuré pour utiliser la caméra arrière. Utilisez la caméra avant. Bouton. Envoyez un lien de téléchargement à vos amis. En tête. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin de Cache Reader? Envoyez-lui un lien pour le télécharger facilement via votre application de communication préférée. Alors le lien sera dans la description. Envoyez le lien de téléchargement. Bouton. Réseaux sociaux. En tête. Suivez-nous pour obtenir les dernières nouvelles, informations et mises à jour de Cache Reader. Si vous êtes satisfait de l'application, évaluez-nous et écrivez un commentaire. Pour tout problème, écrivez-nous un email et nous le réparerons. 20. Alors ici, en mode inversé, je vous le mets en très gros. On est sur un billet de 20 euros. Vous l'avez 20 en très gros sur votre écran. 10. 10. Alors vous savez que sur Vision Hightech, on parle d'accessibilité. Et cette application, je l'ai trouvée sympathique à vous la présenter, justement par le biais de son accessibilité. Alors, combien peut coûter cette application, à part si on l'achète à vie à 19,99 €? La version complète de Cache Reader identifie tous les billets des devises disponibles. La version complète de Cache Reader identifie tous les billets des devises disponibles. Vous pouvez acheter la version complète en choisissant une licence à vie. Version complète pour un mois ou un an. En tête. La version complète pour un mois coûte 1,09 €. Identification illimitée de tous les billets jusqu'à 4 juillet 2019. Conseil, ce plan est idéal pour les vacances et tout autre besoin à court terme de la version complète. Achat pour un mois. Bouton. La version complète pour un an coûte 6,99 €. Identification illimitée de tous les billets jusqu'à 2 juin 2020. Conseil, moins cher et plus flexible que la licence à vie. Voilà, 6,90 € pour un an, c'est pas cher et en plus ça peut encourager ces développeurs qui nous font des petites applications très sympas et accessibles en plus. D'ailleurs, likez cette vidéo si vous avez aimé cette application parce que vraiment, elle le mérite. On peut la liker et franchement, on peut la partager. Achat pour un an, bouton, permis à vis, en tête. Achat pour un an, bouton, permis à vis, en tête. Une licence à vie pour la version complète coûte 19,99 €. Le paiement est immédiat et aucun paiement futur ne vous sera demandé. Voilà donc pour cette petite application Cache Reader, une application accessible pour les personnes en situation de handicap visuel, mal et non-voyant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, ça m'a énormément plu de vous la faire. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur accessibilité. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!